Alors, un petit peu d'amour. On va faire une petite touche de rouge juste ici. Oh, des très bons personnages. On va mettre comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, un magnifique paysage d'impressionniste. Voilà. On va faire ça comme on peut. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, du meurtre, du noir, du meurtre, plein de meurtre. Voilà. Plutôt fière de moi. Je trouve que ma peinture représente assez bien le livre dont je vais parler aujourd'hui. Mais je vous la montrerai pas parce que je suis une affreuse, affreuse peintre. Ça ferait mal aux yeux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, mettez vos blouses de peintre, prenez votre palette à peinture et de très bons pinceaux, puisqu'aujourd'hui, je vais vous embarquer dans le village de l'impressionnisme, celui de Giverny, avec le livre Nymphéa Noire de Michel Bussy, paru aux éditions Presse de la Cité et aux éditions Pocket. Voilà, je peux le dire maintenant, j'ai enfin lu Nymphéa Noire, ce livre dont on entend tellement de bons avis, et Michel Bussy aussi, c'est un auteur, voilà, donc on ne fait que des compliments sur sa plume dans ce qui est un petit peu thriller non-gore, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de passage sanglant, de passage où on se cache le visage, on est là, oh, c'est dégoûtant, c'est pas possible. Non, voilà, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore, c'est addictif, et j'ai enfin pu partir à la découverte de cet écrivain, comme je vous le disais, avec son livre Nymphéa Noire, qui est réputé comme l'un de ses meilleurs, en tous les cas, c'est ce que j'en ai entendu, et j'ai tout simplement adoré, donc je remercie toutes les personnes qui l'ont conseillé, celles qui sont venus me le conseiller en plus en message privé parce que j'ai passé un excellent moment. Pour vous résumer rapidement l'histoire, dans Nymphéa Noire, comme je vous le disais, l'histoire se déroule à Giverny. Pourquoi un village impressionniste? Principalement parce que c'est le village dans lequel a vécu une grande partie de sa vie le peintre Claude Monet et dans lequel il a peint notamment ses fameux nymphéas. Voilà. Ce village va être marqué par un meurtre au début du livre. Voilà, c'est un thriller donc... vous attendiez sûrement, il va y avoir un homme qui va être assassiné, mais un assassinat un peu bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il a déjà été poignardé, ensuite frappé avec une pierre sur la tête et ensuite noyé, alors qu'après le coup de poignard, il était déjà mort. Pourquoi? Eh bien, mystère et boule de gomme, je vous laisse lire le livre pour le savoir. Ce qui est en plus très perturbant, c'est qu'il a une carte postale, une carte d'anniversaire pour un enfant de 11 ans dans sa poche, mais que cet homme n'a pas d'enfant. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment un grand mystère, donc deux enquêteurs vont être mis sur l'enquête, et petit à petit, on va en apprendre un petit peu plus tout en découvrant le village de Giverny. Je ne vous en dis pas plus parce que selon moi, c'est vraiment un livre qui mérite d'être découvert sans trop en savoir et un petit peu à l'aveuglette pour vous plonger directement dans l'intrigue. On en vient maintenant à mon avis, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très addictive, ça je peux pas le nier, la plume de Michel Bussy est prenante, c'est plein de suspense une fois qu'on commence le livre, c'est addictif et on a envie d'en savoir plus, encore plus, d'avancer et de tout simplement dévorer le livre qui est quand même assez épais, mais on s'en fiche parce qu'on voit pas le temps passer, parce qu'on est pris dedans et que c'est un pur pur régal. Malgré le fait, c'est vrai que le début, je l'ai trouvé un petit peu lent, le temps d'installer tous les personnages, d'installer les différentes histoires, parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs petites histoires qui sont en parallèle, comme parfois dans les policiers thrillers, pour se rejoindre à la fin d'une manière ou d'une autre. Mais malgré ce début lent, c'est vraiment rattrapé après par un rythme effréné et par un... c'est magistral quoi, c'est génial. On va voir petit à petit l'intrigue se complexifier, s'affiner et puis nous aussi commencer à se faire son propre avis sur la question, comme dans tout roman policier, deviner un petit peu qui est le meurtrier, qui a bien pu commettre ces choses horribles. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, comme je vous l'ai déjà mentionné un petit peu, c'est son côté instructif et son côté intéressant, notamment sur l'impressionnisme. Plus précisément la vie de Claude Monet. Moi la peinture, l'impressionnisme, l'art, j'y connais rien. Voilà, vraiment rien du tout, en art je suis une vraie bille. Que ce soit autant pour dessiner et peindre que pour avoir des connaissances. Mais ce livre a su me donner envie de satisfaire une certaine soif de connaissances que j'ai ressentie après cette lecture au niveau de la vie de Claude Monet, au niveau de Giverny, au niveau de l'impressionnisme, au niveau de la peinture dans son ensemble. Et j'ai appris pas mal de choses à ce sujet-là, que ce soit sur la manière de faire des tableaux, sur la vie de Claude Monet, sur le village, vraiment sur tout un tas de choses, sur l'époque de l'impressionnisme également. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça montrait que l'auteur s'était investi, avait fait beaucoup de recherches à ce niveau-là.
Et voilà, en plus de l'enquête, en plus des personnages attachants, j'y reviendrai plus tard, on a vraiment tout ce côté intéressant qui donne envie après cette lecture vraiment d'aller creuser plus loin, de découvrir des livres sur le sujet, des films, des séries, pourquoi pas. Et je pense vraiment me plonger sur la question et pourquoi pas vous en reparler dans une prochaine vidéo. Pour en venir maintenant aux personnages, eh bien je les ai tout simplement adorés, j'ai trouvé tous les personnages attachants et intrigants. Que ce soit des personnages d'une époque, d'une autre. Voilà, je les ai trouvés tous géniaux et c'est très perturbant parce qu'on s'attache à un personnage, on dit que finalement il est peut-être le meurtrier, on devrait peut-être pas s'attacher à lui, et puis finalement on s'attache à un autre, c'est l'auteur qui joue avec notre cerveau, qui joue avec notre manière de voir les choses, et c'est un régal tout simplement. Je les ai tous aimés et ça a été très dur de les quitter. J'aurais peut-être même aimé que le livre dure 200 pages de plus. Voilà, c'est pour vous dire, moi qui ne suis pas vraiment une accro des gros pavasses, j'en aurais vraiment aimé plus. C'est les personnages, comme je disais, qui sont attachants, mais pour certains qui sont vraiment pleins d'humour. Je pense notamment aux deux enquêteurs qui vont être chargés de l'enquête. Il y a des moments où ils m'auront fait rire aux éclats. Je trouvais ça juste génial, feel good. Et avec toute cette atmosphère de meurtre qui peut être lourde, qui peut être pesante, eh bien ça apportait un petit peu de gaieté, un peu de fraîcheur qui était vraiment la bienvenue. Et puis voilà, ils étaient attendrissants, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire? C'était vraiment trop, trop génial. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi au niveau des personnages, c'est les sujets que l'auteur va aborder à travers certains de ses personnages. Je pense notamment à l'amour qui peut atteindre des limites incroyables. Et ça peut être un amour passionné, un amour passionnel, un amour tortueux, mais qui peut atteindre vraiment des limites au bord de la folie, pour ne même pas dire carrément la folie. Et j'ai trouvé que c'était amené avec tellement de brio, et en plus, c'était vraiment, ça m'a pris au cœur. Et j'ai trouvé ça à la fois fascinant, à la fois horrible. Je sais pas, ça m'a remué en fait, et c'est vraiment une vision de l'amour qui est vue comme quelque chose de. Pouah. Voilà, l'amour peut atteindre des limites et faire des choses assez incroyables et assez folles, poussées par l'amour qu'on porte à une personne, un amour peut-être qui n'est pas forcément rationnel, qui n'a peut-être pas de. Voilà, de raison, on ne sait pas pourquoi. C'est cette personne, c'est celle-là, et on est prêt à déplacer des montagnes pour elle. Mais parfois, il y a des limites peut-être qu'il ne faudrait pas franchir. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment tellement bien retranscrit et tellement bien écrit. Il y a des passages à ce niveau-là qui m'ont donné la chair de poule. À travers un autre personnage, c'est peut-être un sujet plus secondaire à l'histoire, mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez bien amené, donc je pense que je vais le mentionner assez rapidement. C'est la quête d'un père lorsque on a vécu qu'avec sa mère, qu'on ne sait pas qui est son père, notre mère ne veut rien nous dire à ce sujet-là. Et bien mine de rien, on a quand même envie de connaître ses origines, envie de savoir d'où on vient, envie de savoir qui est notre père, même si c'est quelqu'un d'horrible. Vraiment pour être fixé, pour le savoir. Et il y a un personnage qui est hanté par ce besoin de connaître qui est son père. C'est vraiment par moments une obsession, à d'autres moments on le ressent un petit peu moins chez ce personnage-là. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien amené aussi et que c'était important de le souligner parce que moi c'est des passages qui m'ont beaucoup ému, beaucoup touché, et des moments où ce personnage-là, j'avais vraiment envie de le prendre dans mes bras et lui dire mais t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis sûre que c'était quelqu'un de bien, même si finalement on ne le sait pas, hein, on va pas savoir si c'est quelqu'un d'horrible ou pas, eh bien c'est comprendre ce que ça peut être de manquer d'un parent, même si on est bien entouré par le parent qui nous éduque, le parent qui nous accompagne, qui nous aide dans notre vie quotidienne, eh bien c'est cette envie, ne serait-ce que de connaître son nom, de mettre un visage sur celui qui a aidé à notre conception, en fait, voilà. Et ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Pour en venir maintenant à la fin du livre, parce que dans un thriller policier, la fin c'est quand même le truc qui est important, the big chose, là, la fin on en attend quand même pas mal. Eh bien, j'en attendais vraiment pas mal en plus, d'autant plus j'avais mis la barre assez haute parce que tout le monde m'a dit la fin, tu vas voir, c'est époustouflant, c'est énorme, tu vas pas pouvoir le louper, si tu peux pas le prévoir, c'est. Voilà, c'est le truc qui va te laisser sur les fesses pendant une semaine. Truc de malade, hein, vraiment. C'est ce qu'on m'en avait dit en tout cas. Et donc du coup, j'avais le cœur qui battait à fond, littéralement, parce que j'attendais ce truc énorme. Et c'est vrai que je l'avais pas vu venir. Mais j'ai trouvé cette fin perturbante et dérangeante, personnellement. Ça m'a brouillé le cerveau.
Et j'ai bien mis une journée ou deux à essayer de rassembler les morceaux, de tout recoller, de tout comprendre en fait. Et encore aujourd'hui, maintenant, ça fait une semaine et demie que j'ai terminé ce livre et je ne sais pas si je suis contente ou pas de cette fin. Je ne sais pas ce que je ressens par rapport à cette fin. Une chose est sûre, c'est que c'est une fin de folie, une fin que, bien évidemment, je n'ai pas vu arriver et qui m'a, voilà, complètement retourné le cerveau. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Mais voilà, je sais pas vraiment ce que j'en pense encore aujourd'hui. Vraiment, j'ai encore beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis en découvrant ce livre que je vous invite bien évidemment grandement, grandement à découvrir, Nymphéa Noire de Michel Bussy. Un livre qui aura su me surprendre, m'intéresser et passer un excellent moment de lecture de la noirceur, de l'humour. Un très bon thriller que je ne peux que vous recommander à 200%. Donc voilà, c'en est tout, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et ben, moi, je pense que je vais pas retourner à ma peinture parce que je suis vraiment trop, trop quiche en peinture. Mais je vais peut-être aller me chercher quelques livres sur Claude Monet maintenant. Donc en attendant la prochaine vidéo, eh bien, bye bye!